Je vous demande de faire un triomphe à la divine Audrey Chauveau. Salut Audrey. Salut Jackie. Ça va? Ça va, merci et toi? Bon, je te remercie de venir au JJDA. Mais de rien. De rien. C'est avec plaisir. Bon, donc Audrey Chauveau, tu es animatrice de télévision. Tout à fait. Ou présentatrice, je ne sais pas. Comme... Présentatrice de animatrice. Télévision, c'est une différence très bien. Pour toi ou... Plus ou moins, présentatrice, ouais, animatrice, très bien. Ouais. Bon, les deux, les deux. Les deux, les deux. Les deux, voilà. Donc avant de parler de ce que tu fais en ce moment, j'aimerais parler de ce que tu faisais avant d'être sur les chaînes publiques. Oui. Tu as donc démarré sur M6. Exactement. Alors qu'est-ce que tu faisais sur M6, Audrey? Alors sur M6, j'ai animé une émission musicale. Oui. Et suite à ça, j'ai présenté... Ce qui s'appelait Alternative Live, c'est ça? Exactement. Alors, c'était quoi cette émission d'ailleurs? C'était une émission musicale dans laquelle on diffusait des clips, des infos... musicale, des infos artistes. Tu aimes le rock'n'roll? Enfin, qu'est-ce que tu aimes comme musique? J'aime le rock'n'roll. Tu aimes? Audrey Chauveau aime le rock'n'roll. Donc, tu as démarré comme ça, alors. Voilà, okay. Et puis, suite à ça... Oui. Attendez, parce que j'entends pas très bien quand vous parlez. Merci. Suite à ça, ben voilà, me voilà aujourd'hui sur France Télévisions. Oui. Et c'est très bien, j'ai travaillé avec ton ami Marc Toesca. Ben oui, alors, sur France Télévisions, tu as fait donc... Deux prime time. Exactement. Hein, avec Marc Toesca, c'était donc les 25 ans. Les 25 ans du Top 50 avec Marc. Alors c'était quoi? Vous lanciez des clips? C'était quoi? Ah non, pas du tout. C'était un gros show au Palais des Congrès. D'accord. Donc on a reçu une multitude d'artistes, notamment des années 80. Années 80, tu étais extrêmement jeune parce que tu es toujours extrêmement jeune. Oui, toujours. Tu écoutais la musique des années 80, t'aimes bien? Oui, bah, bien sûr, moi j'ai grandi avec, donc forcément j'ai écouté ces musiques-là, bien sûr. Alors, et je l'ai dit d'ailleurs ce soir-là, je disais qu'à l'époque... Ouais, mais alors c'est quoi tes groupes préférés, Audrey, par exemple? Pas forcément les années 80 d'ailleurs. Non, aujourd'hui j'écoute plus les années 80. Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui? Ça m'intéresse de savoir. Ce serait plutôt de la soul. R&B. Non, pas trop. Ouais, t'as pas envie de chanter? Parce qu'il y a beaucoup d'animatrices ou d'animateurs qui chantent. Moi je comme chante moi, depuis toujours, mais... Oui, mais tu chantes sous la douche. Non, je chante. Tu chantes? Ouais. Tu pourrais chanter quelque chose là pour les téléspectateurs du JJDA? Non, mais comme ça, non. A cappella, Audrey. Non. Mais tu chantes quoi? Je vais te laisser faire ton émission. Mais tu chantes quoi? Quel genre de musique? Écoute, je travaille avec une coach vocale. Ah ouais, donc t'as l'intention quand même de sortir un album? L'intention, je sais pas, on verra, mais déjà je le fais pour mon plaisir et... D'accord, ok. Donc tu étais sur Teva aussi, non? Oui, j'ai fait un programme court, une pastille-jeu sur Teva. C'était quoi sur Teva? C'était comme je te dis, une pastille-jeu. Oui, c'était pour faire gagner un an de shopping aux téléspectateurs. D'accord. Voilà, c'était plutôt. Mais t'as commencé jeune la comédie à la télé, que... alors. Non? Je sais pas. Oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Tu as ton bac? Enfin, tu as fait des études. Oui, j'ai mon bac. j'ai mon permis. Est-ce que tu as ton permis de conduire? Oui, je l'ai. Est-ce que tu as ton permis de travail? Oui, je l'ai aussi. Est-ce que tu as ta carte orange? Non. Je ne prends pas trop. Ah, tu ne prends plus de transport en commun? Comment ça, plus? non, si, je prends le tram, mais j'ai pas ça, de d'accord. carte orange. Bon, donc tu t'es retrouvé sur France 2, comment d'ailleurs? Suite à une. Le M6 à France 2, qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une rencontre, voilà. Et tu n'as jamais passé de casting pour France 2, par exemple? J'ai fait cette rencontre et après j'ai travaillé, il y a eu des... Mais ce qui est fou, tant mieux pour toi, tu as donc démarré par un prime time. Exactement. Ce qui est énorme quand même, non? Oui, c'est énorme. Tu te rends compte vrai. De la... Toi, c'est... Oui, bien sûr, je me suis rendu parce compte. Parce qu'il y a des tas d'animatrices en herbe qui aimeraient faire de la télé. Tu aurais un conseil à leur donner pour comment on fait pour y arriver? Un conseil à leur donner, non, je pense pas que j'ai suffisamment de... D'expérience, c'est ça? D'expérience, je sais... Enfin, si, peut-être, mais pas assez d'ancienneté pour me pour poser donner en donneur de leçons. Ouais. D'accord. Donc tu es arrivé sur France 2, tu as fait ce prime time qui a bien marché en plus. Oui, on peut le dire, sympa. Ça a été la meilleure audience de la chaîne. Bon, après, tu as fait un autre prime time avec Stéphane Bern. Exactement, hein, pour le réveillon, le 24 décembre. Ça s'appelle comment? La télé, t'as vous. La télé, avec Jacques Sanchez aussi. Oui, d'accord, voilà. Alors, c'était quoi ça? Vous parliez quoi de les émissions préférées des Français. Donc, on a fait un panel. On a un classement, c'était quoi? Voilà, les Français devaient élire leur émission préférée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez parlé du Club Dorothée au moins? Non. Si, ça a été évoqué. On n'a pas gagné. Hein. Non. Non, bon. Mais ça a été évoqué. Merci. On a même fait un petit karaoké, on a chanté, etc. Ah, qu'est-ce que tu as chanté? Écoute... Ou la menteuse? Non, on a chanté les génériques. Voilà, exactement, les génériques, c'est Candy, ce que je cherchais. Exactement, exactement. D'accord. Non, on s'est bien amusé, c'était une émission très sympathique. Donc tu as fait deux prime time sur France 2. Exactement. Est-ce que tu as fait d'autres émissions sur France 2? Non, pour l'instant, non. Non. J'y reviendrai sans doute, on verra. Mais pour l'instant, aujourd'hui... Pour l'instant, tu es sûr?
France 3. Alors, qu'est-ce que tu fais sur France 3? Je présente donc une émission qui s'appelle Drôle de 13h. Qui, selon l'indice, passe à 13h, je suppose. Exactement. Du lundi au vendredi. Exactement. Qui est donc un journal d'humour, une émission d'humour. Exactement, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire, je m'en vais. Bon, bah, allez, salut. Donc, c'est une émission d'humour, une demi-heure de détente avec les téléspectateurs. Voilà, on s'amuse, on se détend. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des archives? Ce sont Est-ce des que images... les humoristes viennent sur un plateau? C'est ça que je voudrais savoir. Que les téléspectateurs voudraient savoir. Tu regardes, c'est rouge, tu regardes. Audrey. On a des images d'archives, des sketchs. Oui, dis-moi où je dois regarder quand même, c'est pas mal. Des images regarde, c'est rouge, top. Des sketchs, top, André Chauveau. Top, ça enregistre. Alors, c'est en direct, hein, fais gaffe. Je sais. Bon, on l'a refait. Je sais que... Allez, on dirait, mais on l'a refait. Donc c'est voilà, drôle de 13h. Drôle de 13h tous les jours sur France 3. Voilà, une demi-heure de détente en ma compagnie. Et c'est très sympathique, vous allez voir. Bon, d'accord. Alors, ce sont des archives, alors, hein? Oui, entre autres, des images d'archives, des images cultes, pas que des images d'archives, il y a des images du net. Des perles du net, etc. Des bêtisiers. Alors tu passes qui par exemple Coluche, non? Des gens comme ça, Pierre Desproges? Oui, on a passé, exactement, Coluche, Desproges. On passe aussi SAV de Marie Fred. Ah oui, tu passes aussi des comiques récents. Enfin, je veux dire, Il y a Gad Elmaleh, tout ça. Voilà, exactement. Est-ce que Pierre Palman, Michel Larocque. D'accord, est-ce que c'est interactif? Est-ce que les gens peuvent t'appeler ou non? Non. Pendant l'émission? Non, c'est enregistré. Alors, exactement. D'accord, ok. Bon. Alors, drôle de 13h. Et après, parce que tu ne fais pas que ça. Non, tu travailles sur une chaîne du câble. Oui. Vas-y, on va sur vous, je t'écoute, je dis plus rien. Je travaille donc sur MCE. Oui, mais c'est quoi MCE? Moi, je connais bien parce que j'y suis allé. C'est donc ma chaîne étudiante sur laquelle je présente les news. C'est une chaîne consacrée au monde étudiant. Oui, comme son nom l'indique. Voilà. Oui. Comme son nom l'indique. Alors, des news de toutes sortes, c'est quoi? C'est un JT? C'est quoi? Exactement, c'est un JT. Donc, évidemment, donc, on parle de la vie étudiante, on parle des nouvelles mesures qui vont être mises en vigueur, etc. Donc, voilà. Bon, voilà. Ça englobe la vie étudiante. Mais c'est des news en direct tous les jours? C'est pas en direct. On enregistre un à deux JT par semaine. D'accord. Selon l'actu des étudiants. Bah, alors, oui, mais au niveau des annonces, alors, si c'est pas en direct, les annonces que tu fais, c'est un peu. Non? Non, non, c'est pas vraiment récent, quoi. Si, c'est très récent. On suit l'actu des étudiantes, les dépêches, etc. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je résume la situation. Résume bien. Tu es donc sur la chaîne préhistorique France 3 tous les jours. Préhistorique, non? Non, bon, d'accord. Ça s'appelle Drôle de 13h. J'ai l'air préhistorique? Non, pas toi. Mais tu es charmant. Elle est charmante, non, Audrey Chauveau? On l'applaudit, d'ailleurs. Tu es divine. Du lundi au vendredi à 13h. Et sur ma chaîne étudiante MCE, les news. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets, Audrey? Oui, j'en ai plein. Bah, vas-y, un scoop pour le JJDA. Un scoop, non. On travaille sur France. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelle est l'émission que tu aimerais faire? Avec France Télévisions. Quelle est l'émission que tu aimerais réaliser? Oui. Écoute, il y a plein d'émissions. Moi, j'adore L'Aventure Inattendue. Oui, ok. Je trouve que c'est une excellente émission. Et c'est sur quelle chaîne, L'Aventure Inattendue? Sur France 2. Ah bon? Ah, je ne connais pas, dis donc, c'est quoi? Ah bon, tu connais pas? Non, je te promets, c'est quoi L'Aventure Inattendue? C'est avec Sabatier, c'est une excellente émission. Ah oui, c'est de temps en temps, comme ça, ça revient. Exactement. Oui. Ah ok, d'accord. Et t'aimerais faire ça ou? C'est pas que j'aimerais, tu me demandes ce qui me plaît à la télé, d'accord, je te dis, voilà ce qui me plaît. Et revenir à une émission musicale? Ah, évidemment. Ouais, ça t'aimerais bien. Oui, j'adorerais. Le musical, c'est quand même ce qui me... Et comédienne, si on te propose un rôle ça m'intéresse aussi. Toi, une sitcom ou une série, non? Si, pourquoi pas, en temps voulu peut-être. Mais oui, avec plaisir, bien sûr. C'est pas du tout éloigné de moi, la comédie. Donc, t'es open pour la comédie, Oui, c'est ça, oui. D'accord. J'ai même pris des cours de théâtre. Ah bon? Ah, d'accord.